nous, députés nationaux et sénateurs, membres du FCC, saisissons cette opportunité que nous offre la présente rencontre du parc de la vallée de Kingakati pour réitérer à vous notre autorité morale, Son Excellence Kabila Kabange Joseph, notre soutien, notre fidélité et notre attachement indéfectible en ces moments cruciaux de l'histoire de notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Nous vous prions, Excellence, autorité morale, de compter sur notre engagement aux idéaux prônés par le FCC pour le bien-être du peuple congolais et la sauvegarde de la paix, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Soyez rassurés que les 338 élus ainsi que le sénateur, membres du FCC, sont acquis à la cause très noble que votre Excellence défend. Face au climat politique actuel, nous sommes sereins et déterminés à rester unis au sein de notre famille politique en tant que FCC. Que Dieu bénisse le FCC, son autorité morale et la République démocratique du Congo. Nous avons dit et vous remercions. Merci, camarade président. Juste une petite annonce. Chers camarades, le camarade autorité morale pourra être à votre disposition dans les jardins.